l'Essonne, il est 8h02. Maman va me fâcher si je prends pas mon déj en 2-2. Elle me descend mes affaires pendant je regarde la 2. M'habille en vide, fais grimper, marche deux par deux. Me lave les dents, me passe du lait. Ma sœur, elle passe pour aller prendre son bus, le S22. Je retourne mater la télé encore 2 minutes. Sauf qu'à ce moment-là, elle m'appela. Elle me dit qu'il faut y être dans 12 minutes. Mon épisode fini dans 10 minutes. Challenge accepté, faudra monter dans la voiture et aller à l'école. Tout ça en 2 minutes. Encore une fois, le plan a échoué. Maman va m'engueuler. Dans ce genre de situation, je me suis rarement trompé. Mais bon, je suis qu'en CM2, je dois pas l'oublier. Plein de deux dans ma vie, mais je suis si esselé. Je suis qu'un gamin solitaire, cherchant un semblant de parité. Bloqué dans un système scolaire, autant d'adultes font preuve d'inégalité. Je suis qu'un gamin solitaire, cherchant un semblant de parité. Bloqué dans un système scolaire, autant d'adultes font preuve d'inégalité. Arrivé en cours encore avec le cœur lourd, ça c'est pas du tout ma tasse de thé. J'ai déjà tous les instits sur le dos, car j'ai pas arrêté de déconner. J'ai déjà très mal commencé mon année, donc ils sont incapables de me le pardonner. Dès que je commence un peu à gigoter, ils se tiennent prêts afin de m'humilier. J'arrive un jour de plus devant la grille, mes camarades eux sont déjà rentrés. Je fais un câlin à ma mère et lui promis, aujourd'hui je fais pas de conneries. Et dans un élan soudain je m'en vais, je me concentre dans ma tête et je fais le vide afin de ne pas répondre quand je me ferai engueuler. Maîtrise, je sais que je vais faire une grosse bêtise. Je suis qu'un gamin solitaire, cherchant un semblant de parité. Bloqué dans un système scolaire, autant d'adultes font preuve d'inégalité. Je suis qu'un gamin solitaire, cherchant un semblant de parité. Bloqué dans un système scolaire, autant d'adultes font preuve d'inégalité. Qu'est-ce que je déteste cette pièce au plus profond de mon âme. Je et les adultes, je leur foutrais des enseignements. Oups, au final les jeux vidéo rendent peut-être violent. Je me répète que c'est faux et que je suis qu'un enfant. Cette excuse ne marchera pas indéfiniment. À un moment je devrais assumer mais sans me replacer. Affronter les adultes et leur monde me plairait. Sauf qu'à chaque fois sur chaque histoire je finis par pleurer. Pleurer à cette époque c'était respecté, mais je ne savais pas ce qu'il m'attendait. Car à partir de l'année juste après, cela signifie que t'allais devenir un PD. Il fallait profiter de ma notoriété, car ridiculiser c'était pour se faire respecter. C'était un aperçu de la porte qu'il y avait juste après, celle qui allait faire de moi un enculé. Je suis qu'un gamin solitaire, cherchant un semblant de parité. Bloqué dans un système scolaire, autant d'adultes font preuve d'inégalité. Je suis qu'un gamin solitaire, cherchant un semblant de parité. Bloqué dans un système scolaire, autant d'adultes font preuve d'inégalité. Ridiculiser ça, je savais le faire, mais j'étais en train de foutre mon dossier en l'air. Ce qui a forcé la main de mes parents à me mettre dans un collège privé, évidemment. Privé de tout, de mes amis, de mes connaissances. Obligé d'y passer mon adolescence, entouré de gens inconnus au bataillon, dont la plupart avaient l'air très très con. Pour moi j'encourais juste une peine de prison. À cette époque je ne m'en rendais pas bien compte du bien et du mal qu'allait provoquer cette étape qui allait me transformer avant que je dérape. Je suis qu'un gamin solitaire, cherchant un semblant de parité. Bloqué dans un système scolaire, autant d'adultes font preuve d'inégalité. Je suis qu'un gamin solitaire, cherchant un semblant de parité. Bloqué dans un système scolaire, autant d'adultes font preuve d'inégalité.